En 2017, bon, c'est la reine de cœur sur Spatula 23. Reine, c'est une sacrée fête. On est en l'an 2017. Justement, c'est le monde de la résurrection. Bon, j'ai deux grattes, j'ai une basse et j'ai une guitare. Bon, ok. Jusqu'à là, ça va. J'ai deux casques, parce que il y a le bol d'or bientôt. 26 ans plus tard, je retournerai bien au bol d'or. Enfin, même plus. Premier bol d'or, 89. Bon, je connais deux Ève. Bon, on va dire ça. Va-t-on trouver deux Ève qui habitent sur le même palier, toi? L'une, fille de 2% Saint-Luc. L'autre, belle-fille de 2% Saint-Pierre. J'ai les photos, les glaciers et tout, les machins. Bon. Non, c'est pas grave. Je pars en vacances. En fait, la valise numéro 1, c'est la même que la numéro 2. Et la valise numéro 2, mais c'est la numéro 1 aussi. Quand tout ça va être plein, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise? Voilà, ça va le dire. Hein. Parce que là, je vais péter un câble, tu sais. Pour l'instant, je me retiens. Voilà, je mets tout ce qui est éternel et tous les machins. Pour l'instant, je me bats les couilles, mais ça va. Moi, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? On a rien à foutre, que tu te pètes la gueule, que hop. Tu vas faire tes 12 commandements. Parce que moi, j'en ai rajouté un, tu n'auras pas d'armes à ton prochain. J'en ai rajouté un autre. Oui, Seigneur, je ferai de mon mieux. J'ai fait les conneries. C'est pour ça que l'homme n'est pas mûr avant 40 ans. C'est la crise de la quarantaine. Tu vois. Vraiment le psychologue. Là. Va pas voir le psychiatre parce que lui, il va te filer des cachetons de merde. C'est de la merde, les cachetons. Ça tue tout le monde. Leur putain de cachetons et de leur putain de molécules, c'est de la merde. De toute façon, ne prends pas de cachetons. Si tout le monde fumait un bon joint et buvait un bon coup, il n'y aura plus une pharmacie d'ouverte. Mais c'est du business. Big Pharma, l'origine de Big Pharma. Qu'est-ce qu'il y a là? Qui est pas content? Vous faites que de la merde sur cette planète, vous vendez que de la merde. Mais non. C'est comme les anciennes BMW, les motos. De l'armée, des Allemands, de je sais pas quoi. C'est le domaine qu'on a racheté, c'était incassable, alors ils en vendent pas. Mais ils veulent vendre. Mais va te faire enculer. Les bonnes inventions, c'est celles qui durent toute la vie. C'est pas fait pour vendre, il n'y a pas de profit, il n'y a pas de bénéfice. Ça, c'est des trucs de feuge. Ils ont cloué leur chef. Voilà. Faudra le dire à Dieudonné, tiens. Il n'est pas si con, même Soral, c'est pas si con. VTFE, ça veut dire va te faire enculer. Bon. Bon, d'accord. J'en ai plein d'expressions comme ça. J'ai eu le CAP, certificat d'aptitude prophétique. Puis le BEP. Je sais plus. Bref, non. D'amplitude. Non, c'est pas amplitude. Non. Bon, c'est pas grave. Et le bac, brevet d'aptitude cosmique. Ça. Et le DUG. Non, mais j'avais trouvé tous les noms pour tout. C'est pas grave. Ça, j'en ai absolument rien à foutre. Je vais partir en grandes vacances. Quand les cartons seront pleins, soit c'est moi qui me barre, ça veut dire que je suis bon. Mourir, c'est renaître dans l'esprit. Je suis jamais 14 fois, je vous emmerde, mais c'est ce que c'est. Hein. NDE, écoute. La divine connexion du docteur Melvin Morse. T'as qu'à regarder, tu comprendras peut-être un truc. C'est jamais.
Jovanovic, lui, je pèterais bien la gueule. Werber, c'était pas mal. Il est pas loin. Les fourmis. Oh, beaucoup de fourmis. Par contre, il n'a pas écrit sur les abeilles que vous niquez avec vos produits de merde, là. C'est insecticide de mes couilles. Puis il parle pas non plus de, tu sais, les bouts rouges qui balancent à la Manuel Valls Street. On n'y peut rien, c'est toujours des feuilles, je sais pas pourquoi. Ils sont tous au pouvoir. Hein. Des amis. Tu vois le truc. Faut bien le dire quand même. C'est la vérité. Moi, je cherche la vérité. Je cherche. Bon. Alors, Coluche, dernier prophète non reconnu avant moi. Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Si tu le cherches, moi tu le trouves. C'est là où il s'est trompé. Plus tu cherches, plus tu le trouves. Plus tu cherches la vérité d'un vrai bon Dieu. Pas un fils de pute. Hein. Tu sais, sumérien, babylonien, Yankel, Yankee, pourquoi, ce que tu veux. Non, 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 le seul prédateur sur Terre, c'est l'homme. C'est un enculé. Il pourrit tout. Bientôt, il n'y aura plus d'eau potable. Et vous êtes tous des collabos de merde. Tu vois. Il n'y a pas un résistant, il n'y a que moi. C'est vachement dur de se sentir tout seul. Tout seul au fond des bois. Tout, tout, tout. Et Gorgo le sale arrive avec sa tronçonneuse. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas si on voit mes yeux. Regarde-moi bien dans mes yeux là. Moi je suis pas un enculé. Et en plus, j'emmerde vraiment les connards du système, les collabos. T'as vendu ton âme, toi? Mais va te faire enculer. Bon, tu parleras à tout le monde. Non. Déjà, les pédophiles, t'as droit de les massacrer. Bon. Les violeurs. T'as le droit de les massacrer. Si t'en vois un, tu lui pètes la gueule. Le bon Dieu, il t'en voudra pas. Le problème, c'est que c'est les sous-cachetons. Sous-cachetons, tu deviens un tueur. Tu sais, comme il te débranche l'âme, c'est la vie. Et comme il te la débranche, tu peux devenir un tueur en 30 secondes. C'est comme ça que tu écrabouilles tout le monde, que tu fais des... De toute façon, ils te programment à ça, hein. C'est la CIA, c'est tout ça, là. États-Unis, putain, les Indiens, ils étaient pédants, ils fumaient le calumet de la paix, ils avaient des arcs et des flèches, ils étaient zen. T'as le mec du Dakota du Nord, le chef des Indiens, il dit, putain, pitié, il nous balance de la mort orale. Et de l'uranium 536, parce qu'il dure que 80 000 ans. L'autre, il dure 4 milliards d'années. Il dit, putain, c'est comme le polygone de Cura en Sardaigne. Tu veux que je t'en dise de vérité? Putain, ça trouve, je pourrais pas m'arrêter. Ah ouais, envoyé spatial pour t'éternel. Bon. Pace salute. Inchalamen iraim. Hein, tous les trous du cul à pognon, je leur pète à l'arrêt. Et de toute façon, je vais leur péter la gueule. Ça va arriver, ça arrive. Pourquoi un jugement dernier va te faire enculer? D'abord, on va faire un jugement premier. Des fils de pute vendus à l'argent.
C'est pas des humains, ça. C'est des vendus.